Mes chers élèves, bonjour. La leçon d'aujourd'hui, c'est les fractions 5, le produit. Dans cette capsule, on va s'intéresser de calculer le produit de deux fractions. Avant de commencer, on va faire un petit rappel sur les fractions. Alors, qu'est-ce qu'une fraction et quels sont ses composants? Une fraction représente une partie d'un tout. Dans une fraction, le nombre en haut s'appelle le numérateur et le nombre en bas s'appelle le dénominateur. On passe à notre situation en considérant 4 cinquièmes comme longueur du segment AB et 2 tiers comme longueur du segment AC. Calculez l'aire des rectangles ABCD. On sait que pour calculer l'aire d'un rectangle, on doit multiplier la longueur par la largeur. Donc, on doit multiplier 4 cinquièmes par 2 tiers. Alors, comment multiplier deux fractions? Pour calculer le produit de deux fractions, il suffit de multiplier les numérateurs ensemble, c'est-à-dire entre eux, et les dénominateurs ensemble, c'est-à-dire entre eux. Donc, on doit commencer par multiplier les numérateurs ensemble. 4 fois 2 est égal à 8. Puis, on multiplie les dénominateurs ensemble, 5 fois 3 est égal à 15. On obtient ici la fraction 8 quinzièmes. Donc, l'aire des rectangles ABCD est 8 quinzièmes. Alors, pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Attention, la plupart du temps, on doit simplifier le résultat. On obtiendra le même résultat si on simplifie l'expression avant de la multiplier ou après. Si on simplifie la fraction avant de la multiplier, on peut toujours simplifier un numérateur avec un dénominateur ou en diagonale. Alors, comment simplifier une fraction? Prenons par exemple 4 huitièmes fois 6 douzièmes. Pour simplifier une fraction, on divise son numérateur et son dénominateur par leur grand diviseur commun. Dans la fraction 4 huitièmes, le plus grand diviseur commun entre 4 et 8 est 4. On va donc diviser le numérateur 4 par 4 et également le dénominateur 8 par 4. 4 divisé par 4 est égal à 1 et 8 divisé par 4 est égal à 2. On obtient 1 demi. On peut aussi simplifier la deuxième fraction. Puisque 6 et 12 sont des nombres divisibles par 6, on obtient aussi une demi comme fraction simplifiée. Il reste maintenant à multiplier les fractions ensemble. On commence par les numérateurs, puis on multiplie les dénominateurs. 1 fois 1 est égal à 1 et 2 fois 2 est égal à 4. On obtient donc un quart. Prenons un autre exemple. 4 cinquièmes et 1 huitième. Dans la fraction 4 cinquièmes, le plus grand diviseur commun entre 4 et 5 est 1. Comme il ne sert à rien de diviser des nombres par 1, la fraction n'est pas simplifiable. Dans la deuxième fraction, le plus grand diviseur commun entre 1 et 8 est également 1. Aucune des deux fractions n'est donc simplifiable individuellement. Cependant, lors d'une multiplication, il est possible de simplifier le numérateur d'une fraction avec le dénominateur d'une autre fraction. On peut donc simplifier le numérateur de la première fraction 4 avec le dénominateur de la deuxième fraction 8. 4 et 8 peuvent se simplifier par 4. 4 divisé par 4 est égal à 1 et 8 divisé par 4 est égal à 2. On obtient donc 1 cinquième multiplié par 1 demi. Il reste à multiplier les fractions ensemble et on obtient la fraction réduite 1 dixième. La réponse doit toujours être présentée sous forme d'une fraction simplifiée. Dans notre cas, il n'est pas possible de simplifier un dixième. Il s'agit donc de la réponse finale. On peut décider de faire la multiplication avant de simplifier. 4 fois 1 est égal à 4 et 5 fois 8 est égal à 40. On obtient 4 quarantièmes. Et on peut simplifier le 4 et le 40 en divisant les deux nombres par 4 pour obtenir un dixième.
Cette méthode est aussi bonne que la précédente, mais pourrait être plus compliquée avec des nombres plus élevés. On utilise également la multiplication des fractions pour trouver la fraction d'un nombre entier. Prenons par exemple 3 multiplié par 3 quarts. Pour résoudre cette opération, il suffit d'écrire l'entier avec le chiffre 1 comme dénominateur pour obtenir 3 unième fois 3 quarts. En multipliant les numérateurs ensemble, 3 fois 4 est égal à 9, et en multipliant les dénominateurs ensemble, 1 fois 4 est égal à 4. On obtient donc 9 quarts. On passe à un exercice d'application. Je calcule le produit des deux fractions. On a 11 tiers multiplié par 4 neuvièmes, 24 quarts multiplié par 1 septième, 5 multiplié par 3 quarts. Ce qui est demandé est de calculer le produit de deux fractions. Donc, on doit appliquer la règle du produit. Ça veut dire multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et n'oubliez pas de simplifier si c'est possible. Ce qui va donner les résultats suivants. Pour les premières fractions, 11 tiers multiplié par 4 neuvièmes, on a multiplié les numérateurs ensemble. 11 fois 4 est égal à 44 et on a multiplié les dénominateurs ensemble. 3 fois 9 est égal à 27. On obtient 44 27e. Il n'y a pas de possibilité de simplifier. Pour les fractions suivantes, 24 quarts multiplié par 1 septième, on remarque qu'il y a une possibilité de simplifier. La fraction 24 quarts, on l'a divisée par le grand diviseur commun qui est 4. 24 divisé par 4 est égal à 6 et 4 divisé par 4 est égal à 1. Donc, on multiplie les numérateurs ensemble, 6 fois 1 est égal à 6, et on multiplie les dénominateurs ensemble, 1 fois 7 est égal à 7. On obtient 6 septièmes. Pour la troisième fraction, 5 multiplié par 3 quarts, on pose 1 comme dénominateur pour 5, et on multiplie 5 fois 4 est égal à 15, et 1 fois 4 est égal à 4, et on obtient 15 quarts. Pour les devoirs, vous devez faire, mes chers élèves, les exercices 1, 2 et 3, la page 103. Merci pour votre attention.